Bienvenue. Dans ce cours, on va étudier plusieurs petites choses. La première, c'est l'utilisation du capodastre. La deuxième, c'est sur une même grille d'accords, sur une même harmonie. Donc, en l'occurrence, on va pouvoir se rendre compte que pour une même harmonie, on peut jouer tout un tas de morceaux. Donc là, je vais vous donner un exemple avec deux morceaux. Le premier, Police Solemnly, et le deuxième, No Woman No Cry, avec la même harmonie. Alors, je vous disais l'utilisation du capodastre, donc qui sert à changer la tonalité d'un morceau. Donc ça, vous pouvez vous référer au cours capodastre sur notre site Music Easy New. Donc, en l'occurrence, on va jouer une forme de la majeure sur le premier accord, mais on entend un do majeur. Donc c'est la forme du la, mais c'est un do. Le deuxième accord, on va jouer une forme de mi majeur, mais ce qu'on entend, c'est un sol. La troisième forme, c'est une forme de barré, comme si vous travailliez donc un fa mineur. Mais là, on va jouer un la mineur. Et en accord ouvert, un ré majeur, une forme de ré majeur, mais on joue un fa. Donc ça nous donne... les deux morceaux. Alors, ce qui va changer, donc, c'est 1, le tempo, et 2, la formule main droite. Il y a aussi une troisième chose, c'est le nombre de temps par accord et par mesure pour chacun des morceaux. On va le voir là tout de suite. Donc, on va commencer par travailler solennely. Donc là, le tempo, il est assez rapide. On va jouer une forme de croche, donc tous les coups vers le bas. Et c'est un accord par mesure, donc 8 croches par mesure. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, on est sur le premier morceau. Et le deuxième morceau, donc là, le tempo est plus lent et la formule change. Donc, je vous montre. Donc, ça nous donne croche de double sur le deuxième temps. Le premier, on joue une noire, donc ça nous donne... Faites bien attention au swing, au système donc de balayage. Référez-vous donc au cours correspondant sur notre site Music Easy New. Donc noir, croche de double. Et là, au contraire du premier morceau solennely, là, deux accords, deux temps par accord dans une seule mesure. Donc ça nous donne 2, 1, 1, 2. Voilà, donc les différences, c'est surtout rythmique et tempo. Maintenant, à vous de jouer.